Ça a duré 23 minutes précisément et j'ai l'impression que ça a duré une éternité parce qu'il y a des moments où je voulais que ça s'arrête, même si j'ai trouvé ça super. L'avion est d'une légèreté incroyable, si bien que le décollage on le sent même pas. Et puis après on a tracé direction Fayence où là juste au-dessus de l'aérodrome on a pu faire deux passages entre les deux pylônes exactement dans les mêmes conditions que la compétition. Alors évidemment pas à la même vitesse, pas avec les mêmes G, mais en tous les cas c'était quand même phénoménal. Pendant les loopings on a tellement peur de ne pas pouvoir résister physiquement qu'on respire. On respire longuement et on essaie de respirer tranquillement pour ne pas se contracter. On se détend en fait, on essaie de se détendre, mais c'est pas facile de se détendre. Vraiment, souvent le pire c'est quand on redescend du looping, on sent tout son poids du corps, qui est l'accumulation du poids, on se sent très très lourd à ce moment-là.